Donc en moyenne, c'est 15 litres de lait par vache et par jour, puisque chacune en produit 4500 litres sur l'année à peu près, quoi, en moyenne. Attends, je vais cacher un peu celle-là pour l'abîmer. Mais tourner les mêmes, hein, je les ai déjà tournées une fois alors. Parce qu'avant, sur son terrain, c'était des caves, ils affinaient les fromages des alpages ici, et tout le monde amenait les fromages ici. Alors, ça fait que ces anciennes caves voûtées, on n'a pas pu les mécaniser. Ah ouais, ça, on peut pas mettre les robots. On peut pas mettre les robots dedans. Mais ouais, il y en a plein qui tournent, des robots. Comment on peut t'appeler ici comme travail, toi, tu es un... Ben moi, normalement, je suis fromager. Fromager. Fromager à Beaufort. Bon, on fait un peu de tout aussi. Hein. Comment on fait tu de la carte aussi. Moi, c'est René. René Renato. Oui, il a arrêté. René, et c'est de. Le nom Gachet. De René Gachet. L'un des grands de l'histoire du ski alpin. Okay. Combien de pyramides t'as pour toi? Je sais plus si c'est 18 ou 19, ouais, à peu près. Quoi, ouais. Après, j'ai des cousins, des oncles qui l'ont fait, qui la font encore. Et donc, on suit de près par la radio et on va sur le terrain aussi pour les encourager, quoi, pendant notre travail et en dehors de ça, quoi, dès qu'on a un peu de temps libre. Normalement, ben, l'équipe du matin, c'est 4h30 jusqu'à 13 ou 14h, suivant les saisons. Et l'après-midi, c'est pareil, ça varie été, hiver. Là, en ce moment, on ne fabrique pas le soir, on finit vers 20h. Et puis ça, ouais. Encore pour toute l'été, il y a l'alpage à nous, mais vous travaillez quand même encore l'alpage. Oui, ben, l'été, après, il y a deux fabrications, le matin et le soir. Alors le soir, ouais, ça, on travaille en gros de 14h30 à... C'est pareil, entre 23 et 24h, on finit. Ouais. Donc je travaille toute l'année en agriculture, donc pour la production de lait pour le Beaufort. Donc... L'hiver à l'étable et puis sur les pistes de ski et l'été donc dans les alpages. Ouais. Et là à la cave, combien de formes on a? Combien de meules on a? Bah, ça dépend de la vente, hein. Ça dépend de l'âge des fromages, de l'âge où ils se vendent, mais c'est en gros 15-16 000 meules. Ouais. Coopérative c'est 61. Avant bon, il y avait des petites fruitières, quoi, mais la coopérative là, c'est 61. Ouais. Et ça, c'est important pour maintenir vivre aussi le territoire. Et vraiment, c'est une ressource économique aussi tenu, pour les gens. Si ça n'avait pas marché, ouais, qu'est-ce que ça aurait donné, quoi. Mais là, ça a tenu les gens. Et là, on voit, il y a beaucoup de jeunes. C'est bien que... Et ça, c'est important. Les jeunes qui restent là sur le territoire, grâce aussi au fromage, grâce au lait, grâce au fromage beau. Ah oui, du moment que ça marche bien, ça encourage les jeunes à rester, à continuer. La Pyramenta, tout simplement, c'est l'histoire, le sommet mondial du ski alpinisme, une course hors du commun qui se déroule chaque année à Richebeaufort, dans le cœur des Alpes, massif du Beaufortain, au mois de mars. 4 étapes, 4 jours d'amitié et de folie. Environ 200 équipes au départ chaque année, en représentant une quinzaine, une vingtaine de pays, selon les différentes éditions. Une course extraordinaire, une course qui est quelque chose de difficile même à expliquer. On peut bien dire une surprenante rencontre au cœur des Alpes, dans le domaine, dans la terre du ski alpinisme. Du fromage Beaufort avec un super athlète et un super fromager, c'est-à-dire Florent Perrier, dernier vainqueur de Pyramenta pour les Français en 2007. Alors là, c'est vraiment l'esprit de Pyramenta, le fromage et bien sûr la course. Oui, c'est vrai que beaucoup de compétiteurs locaux qui ont brillé sur la Pyramenta sont des salariés de la coopérative. Bon, moi je l'ai remporté, c'est vrai, en 2007. Aujourd'hui, William va bientôt, on l'espère, mis à part un énorme problème qui pourrait arriver demain, mais on ne lui souhaite pas, qui est salarié aussi, William Bombardion, qui est salarié aussi à la coopérative à Beaufort, va certainement remporter sa première pyramide. René, que vous voyez en arrière-plan, a fait une quinzaine de pyramides, si ce n'est pas 20, je ne sais pas trop exactement. Donc c'est vrai que dans la vie de la coopérative, dans la vie agricole du Beaufortain, la pyramide a malgré tout sa place.
Pyramenta, édition 2013. 4 étapes, 10 000 mètres de dénivelé sur les montées du massif du Beaufortin, du 21 au 24 du mois de mars. Un domaine parfait, c'est la patrie du ski alpinisme. Là, le moment du départ. 7 heures du matin, on va partir tout près du bois, un petit hameau dans la partie haute de la commune de Beaufort. 200 équipes au départ. Le défi, bien sûr, est lancé. Un défi qui va commencer et qui va durer 4 jours. Des montées, des descentes, des arêtes. Là, c'est l'histoire de Pyramenta. Une histoire qui a eu son début au cours de l'année 1986. C'était un autre ski alpinisme, une autre histoire, mais après presque 30 ans, on peut bien dire, la Pyramenta est toujours la même, toujours fidèle à son passé, une course qui regarde avec énorme joie vers son présent, vers son futur. La Pyramenta est bien sûr une histoire sportive, avec des équipes qui sont là pour remporter cette course. Chaque année, le défi entre les équipes françaises et italiennes surtout, toujours la même, toujours différente quand même. Cette fois, dans cette 28e édition, il y a une équipe qui a quelque chose en plus par rapport aux autres, quand même, avant le départ de la course. C'est l'équipe qu'on voit maintenant sur les descentes de la première étape, avec les deux Français, Matteo Jacquemou, des Alpes du Sud, et puis un garçon qui habite ici, à Rèche-Beaufort, William Momardion. Donc les deux Français, mais aussi les équipes italiennes, avec Matteo Idalin, Damiano Lenzi pour l'armée d'Italie, encore Manfred Reichegger, Lorenz Augsnecht, l'équipe qui a emporté la dernière édition de Pyramenta. Bien sûr, des grands champions qui ont fait l'histoire de cette course, comme l'équipe composée par Florent Perrier, déjà vainqueur ici en 2007, avec le jeune d'Arèche-Beaufort, Xavier Gachet. Au niveau féminin, il y a une super équipe au départ. Laetitia Roux, la française de Savine, avec l'espagnole de Barcelona, Mireia Mirovaril. Et puis les italiennes, qui ont déjà gagné 5 fois la course, Roberta Pedanzini et Francesca Martinelli. La course a démarré. Tout simplement, un voyage à vivre, du début jusqu'à sa fin. Ski sur le sac, regard vers le ciel, jambes qui font mal. Le sommet d'une longue montée est proche. Et aussi les mythiques descentes. Des images en direct avec la caméra sur le casque de William Momardion. William qui, plusieurs fois, il a été sur le podium de cette course. Il n'a jamais gagné Pyramenta. Pour un garçon comme lui, qui habite à 50 mètres du départ et de l'arrivée de Pyramenta, c'est la course qui vaut vraiment une vie dans le sport et dans le ski alpinisme. Première étape de Pyramenta et déjà descente vers l'arrivée. Première étape avec le triomphe des Français Matteo Jacquemou et William Momardion. Incroyable ces images qui portent vers l'arrivée. Deuxième et troisième place pour les équipes italiennes. Tandis que chez les femmes, dans la première étape de Pyramenta, c'est Laetitia Roux et Mireia Miro qui signent le meilleur chrono. Là, les arrivées de cette 28e édition, première étape. Mais il y a une longue histoire qui part presque 30 ans en arrière. Avec la première édition de Pyramenta, avec des images très différentes, mais aussi avec le même esprit qu'ils ont ici à l'arrivée, Laetitia Roux et Mireia Miro Varil. On va en arrière, on va à la première édition de Pyramenta. Pyramenta, c'est l'histoire du ski alpinisme. Première édition, c'était l'année 1986. On est avec le vainqueur de cette première édition. Alors, c'est le triomphe pour Pascal Fagnola. Et avec nous, il y a Jean-Marc Joguet. Alors Jean-Marc, quel souvenir de la première édition de Pyramenta ? Oh, une belle souvenir, un beau souvenir, parce qu'à l'époque, ben, comme je vous dis, hein, j'étais au service militaire et bon, ben, j'avais la forme, alors je pouvais me permettre de faire cette compétition. Parce que je pense que pour faire la Pyramenta, sur 4 jours comme ça, il faut avoir une bonne condition. Parce qu'autrement, il faut renoncer au départ, je pense. Quoi. Voilà. 30 ans après presque, il y a encore
un garçon d'Arèche-Beaufort qui est là, qui lutte pour la victoire dans cette Pyramenta. Vous êtes l'oncle aussi de William Omardion. Je suis fier de lui aujourd'hui, mais vraiment fier, parce qu'il est passé par des mauvais moments, je dirais, que personne n'a trop cru en lui. Et aujourd'hui, ben, il fait voir qu'il est le patron sur cette course. Et ça me touche beaucoup, quoi, je dirais. Voilà. Et je suis fier de lui, quoi. Vraiment fier de lui. 1986, première édition de Pyramenta, c'était quelle Pyramenta à l'époque? Ben, c'était différent, hein, parce que déjà à l'époque, en 86, il y avait du gros matériel, hein, lourd. Il n'y avait pas les combinaisons d'aujourd'hui. On était habillés un peu avec des grosses combinaisons, quoi, je dirais. Nous, à l'époque, j'étais au service militaire. Et au service militaire, ben, c'est-à-dire que on avait déjà des combinaisons de l'époque, quoi, enfin, de l'époque de sport, quoi. Alors on était quand même différents des autres, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le matériel a vraiment changé, quoi. C'est, il faut les skis, je dirais les souliers, les sacs, ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est vraiment du léger aujourd'hui qu'à l'époque il fallait compter au moins 15-16 kilos dans les sacs, quoi. Voilà, quoi. De l'époque. Le grand beau temps, le soleil, tout est prêt pour le départ de la deuxième étape de cette course hors du commun. Nous sommes à la deuxième journée, deuxième étape, les jambes qui déjà font mal. Le sommet de ces montagnes magnifiques dans les Alpes du Beaufortin. La terre du fromage, mais la terre aussi du grand ski alpinisme. Un rêve qui, chaque année, redevient réalité. Chaque fois, c'est un discours à part, c'est une histoire à vivre. C'est des images qu'on porte pour toute la vie dans le cœur. Qu'on soit le premier sur l'arrivée ou le dernier, toujours sur la ligne de l'arrivée. Les premiers sont déjà loin, ils vont super fort. Matteo Jacquemot avec William Omardion. Des milliers de pensées dans le cœur de William, qui habite ici, à Arèche-Beaufort, où il y a le départ, où il y a l'arrivée, où il y a la course. Les sommets avec le public qui depuis toujours est là, sur ces montagnes pour applaudir, pour féliciter, pour fêter toutes les équipes. Les descentes finalement. Là, on va prendre des risques, toujours des grands risques. Il faut bien sûr rester debout. Les chutes et les difficultés sont derrière chaque coin. On reprend à monter, cette fois plus avec les skis, mais avec les skis bien sûr accrochés sur les sacs. Avec le regard qui monte vers le sommet de ces montées qui ne semblent jamais finir. Les Italiens savent bien, les Français sont là devant. Les Français, c'est William Omardion et Matteo Jacquemot. L'armée d'Italie avec Damiano Lenzi, avec Matteo Hidalin. Puis le reste du monde qui est là, qui lutte pour la troisième place. Et dans le reste du monde, il y a bien sûr aussi les femmes. Avec l'équipe Ruvarela, qui tient normalement la 30e place au classement scratch d'étape. On enlève les peaux de phoque et puis encore la forêt en bas. La forêt qui porte les athlètes vers l'arrivée. Un petit point là au fond, c'est l'arrivée de Pyramenta, Arèche-Beaufort. Image du caméra sur le casque de William Omardion. Virage à droite, à gauche.
parmi les plantes, parmi les arbres, dans la forêt, jusqu'à l'arrivée. Avant, c'était William et Matteo. Là, c'est le reste du monde. C'est le cœur de la course. Différentes techniques de descente, même esprit, même envie de franchir la ligne de l'arrivée. Encore les Français qui emportent la deuxième étape avec Matteo et William. Puis, deuxième place pour Eidalin Lenz à 3 minutes 32 d'écart. Troisième, Rakegger Oxnet à 5 minutes. Quatrième, les Suisses, Yannick Ecker, Martin Amtamaten. Au niveau féminin, deuxième étape avec la victoire de Laetitia Roux et de Mireille Amiro. Avec une belle étape aussi pour l'équipe suisse Maud Matisse et Milizex Fabry. Troisième au classement d'étape au niveau féminin, Axel Mollaret, la française avec la jeune italienne Elena Nicolini. Avec Jacques Placia, une personne ancien curé de Arèche-Beaufort et curé depuis l'année 88 ici. Je suis resté 15 ans ici, de 1988 à 2003. Et maintenant, je suis dans la vallée, une vallée de Tarentaise, la vallée de Boiselle, où il y a la grande station de Courchevel, de Champagny, de Pralognan et des petits villages. Mais chaque année, tu reviens ici, dans le Beaufortin, avec une semi-autorisation de la part de l'évêque. Et on peut bien dire que la passion pour la pyramide mentale est plus forte que toute autre chose, bien sûr. Oui, mais là, bon, chaque année. Mais je ne demande pas d'autorisation à l'évêque. D'abord, il sait que je viens. Et on ne discute pas. Il n'y a jamais eu de problème. Voilà. Et bien sûr, il y a un nouveau Saint-Père qui dit qu'on doit être proche des gens, et alors plus proche que ça, plus proche du sport, il y a tellement de jeunes chaque année ici dans Pyramide. Oui, c'est une chose que je me dis aussi. Je dis, c'est important, enfin déjà parce que moi j'aime la montagne, hein, parce que la montagne c'est plus large que la compétition. J'aime le ski, l'alpinisme, le ski alpinisme, le ski de randonnée, et la Pyramide, c'est une semaine importante. Et aussi la musique, on te rappelle chaque fois sur le sommet du Beaufort. De la musique, oui. La musique, c'est pour dire qu'il y a différentes façons d'encourager les gens, en faisant beaucoup de bruit, c'est toute une ambiance, et avec un petit instrument, un harmonica. Tu as là ? Un harmonica, donc pour dire, j'ai dans une des poches, mais je ne sais plus où. Tu vas chercher, on a aussi Jean-Marc Jung avec nous. Pour dire que, avec un petit instrument comme ça, avec trois notes, ça peut faire communiquer, passer un message. Trois notes. Alors, on y va avec les trois notes. Un chant, un clin d'œil, un sourire, comment on communique. Ça, c'est la pyramide. Ça, c'est la pyramide. Enfin, moi, de mon côté, puis après. Trois notes, Jacques Trois Lassier. Notes. Qu'est-ce que je fais? En rappelant la victoire de Jean-Marc Jogues. Pour les Valcotins. Et pour les Italiens. Et les Italiens, souvent, je joue ça. Tu vas me dire quelles sont les paroles. J'arrive pas à ça. Ah, la dernière montée là, ouf. Hein? Ah ouais, je l'ai pas trop aimé. Ah ouais. Alors, Caroline Joguet, alors ton papa il a emporté la première édition de Pyramide, bien sûr. Une passion qui demeure dans votre famille, dans ta famille. Alors, tu es là, dans le cœur de Pyramide, avec dans les yeux vraiment la joie d'y être. On sent la Pyramide dans le cœur. Oui, c'est une véritable joie de participer à la Pyramide. Là, c'est la première année c'est ma première année espoir, donc que je fais les 4 jours. Donc, c'est encore plus formidable parce que c'est vraiment la vraie Pyramide, quoi. Mais bon, il y a vraiment du changement entre la Pyramide jeune, quoi. C'est vraiment pas le même style de parcours. Mais bon, là, on goûte au vrai ski alpiniste, quoi. C'est vraiment... on est vraiment dans la vraie pyramide, quoi. Pour ce qui te concerne, bien sûr, il y a une lutte chaque jour aussi avec les barrages horaires. Ouais. Vous avez une équipe mixte, c'est la compétition dans la compétition. Ah ouais, là, c'est vraiment nous, notre plus grand...
enfin vraiment notre plus grand combattant, enfin c'est vraiment les barrages horaires quoi, faut vraiment se battre avec ça quoi, et on a pu voir déjà ce matin que ben sans arrêt on regarde la montre quoi, c'est vraiment mais bon on est encore arrivé à passer, donc bah maintenant j'espère que ça va être aussi mieux autant mieux pour demain et après-demain quoi. Et puis on arrive finalement à la maison avec les chats, avec les chiens, et avec ta famille et avec vraiment tous les gens qui te disent, je pense, bravo pour ce que tu fais, pour l'esprit que vous avez dans cette pyramide. Ah bah ouais, c'est toujours c'est vraiment formidable bah, d'arriver ici, d'avoir toute notre famille et tout. Enfin, on est vraiment dans la compétition enfin, pour la pyramide et c'est vraiment un avantage pour nous, c'est qu'on est bien entouré quoi. Elle, c'est comme moi, hein, elle a pris le même métier que moi, sauf les chèvres que je vous disais tout à l'heure, elles sont à elle. C'est elle qui s'occupe des chèvres et après elle va s'entraîner comme on fait tous en étant agriculteur quoi. C'est sa passion quoi. Moi, ça c'est un fromage typique du Beaufortin, c'est le Grattaron. Grattaron, ok. Donc c'est une recette qui vient de ma grand-mère, hein, ouais. Octavie. Donc c'est vraiment un fromage du bois, quoi, d'ici, quoi. La Pyramenta, donc, est une grande course. Mais c'est surtout l'esprit de la montagne, la passion, la solidarité, l'amour pour ces pentes, pour ces montagnes qui touchent vraiment le ciel. Troisième étape 2013, avec les Français qui attaquent tout de suite. Au niveau féminin, il y a eu la débâcle des Italiennes qui ont laissé la course. Roberta Pedanzini et Francesca Martinelli. C'est pas un jour, c'est le jour de Pyramenta, le jour du Grand Mont, au mieux de l'intime du Grand Mont. Après le beau temps, c'est le mauvais temps qui arrive. Mais avec le beau, avec le mauvais temps, il y a des milliers de personnes toujours sur le sommet de ces montagnes. 3000 passages, 3000 spectateurs qui sont là sur l'intime du Grand Mont pour applaudir le passage de Matteo Jacquemus et de William Bomardion. Toujours fidèle au poste, ces milliers de personnes qui sont là. On applaudit qu'on se soit des Italiens, des Français, des Suisses, des Slovaques. Et c'est surtout la fête. C'est la fête atmosphère Pyramenta, pour la dire en deux mots. Des spectateurs très nombreux, des concurrents courageux et fraternels, des parcours hardis, dans l'âme et dans le cœur, des émotions à raconter pour une vie. La neige, la pluie, le vent, finalement, de nouveau le beau temps, et puis encore du mauvais temps qui revient. Une étape, celle du samedi, avec la montagne qu'on va vivre dans tous ses aspects. Gagner l'étape du samedi, c'est entrer par la porte principale dans l'histoire du ski alpinisme. Ils le savent bien, William Bomardion et Matteo Jacquemus qui, après deux étapes, il emporte aussi la troisième étape, même discours pour Mireille et pour Laetitia. Mais alors, on va les connaître, les vainqueurs de la troisième étape de Pyramenta. On va rester bien aussi. Ouais, on est bien. Ouais. Alors, on passera bien le bonjour. Depuis tout petit, tu rêves de faire la Pyramenta et puis d'espérer pouvoir la gagner. Voilà, ben, pour l'instant, on n'y pense pas encore et puis on fera demain. Mais c'est sûr qu'on va tout faire pour réussir. Je pense que pour toi, c'est un rêve qui est vraiment tout proche. Tu as tout emporté dans ta carrière. Tu as gagné le Mezzalam, tu as gagné la Porto des Glaciers. Et maintenant, la Pyramenta, c'est tout à fait spécial pour toi. Ah oui, ouais, ça manquait plus que la Pyramenta. Et là, on est à un jour de l'événement. Hein. Faut rester concentré encore jusqu'à demain, 9h30. Hein. Ça dépend quel heure de départ il sera donné. Mais en général, à 9h30, la course est finie le dimanche. Et c'est génial. Ouais. La grande course, on peut bien dire, c'est la nouvelle frontière du ski alpinisme. Tu es d'accord, William? Oui, c'est le circuit des courses prestigieuses comme la Pyramenta, qui associe la Mezzalama, la Patrouille des Glaciers, la Damello, le Ski Race, et le Tour du Ruitor. Il y en a d'autres qui vont venir se joindre à ces grandes courses. Et... Toi, tu as emporté la première édition de la grande course et tu es lancé aussi pour la deuxième, n'est-ce pas? Oui. Bon, et on est encore loin de... On est au début de la deuxième. On est seulement au début, on n'a fait que deux courses. Il y en a encore six qui arrivent. Déjà, remporter une pyramide, c'est quatre jours où il faut être au top et pas faire d'erreur. Et là, ben, il y a encore six courses où il faut être au top, pas faire d'erreur, pas être malade, pas de casse matérielle.
On n'est encore pas au bout, mais c'est l'objectif qu'on s'est donné. Ouais. Bien sûr, on n'est pas encore au bout, mais presque au bout. Dernier départ, dernière étape. Dernier jour de Pierramenta, une Pierramenta qui sera avec la victoire de Mathieu Jacquemot et de William Mardion sur les 4 jours avec un écart de 10 minutes 41 secondes. Deuxième place pour les Italiens, Matteo Idalin et Damiano Lenzi. Troisième encore, les Italiens avec Manfred Rekeg et Lorenzo Rosnett avec un écart de 13 minutes 33 secondes. Chez les femmes, c'est la Pierramenta de Laetitia Roux et de Mireia Mirovarela qui termine à la 34e place au classement de Pierramenta. Deuxième au niveau féminin, l'équipe franco-italienne Nicolini Molari. Troisième les Suisses, Maud Matisse, Emily Jacques-Fabry. Une histoire donc à raconter avec déjà les Français qui vont sur la prochaine édition. Rendez-vous donc dans les montagnes du Beaufortin pour le mars prochain, pour la 29e édition. Tout simplement, il faut y aller sur ces montagnes pour comprendre ce qui est exceptionnel de cette course. L'âme, le cœur de Pierramenta, l'âme, le cœur, l'esprit du ski alpinisme.